Dans un autre chapitre, depuis quelques jours, la ville de Lubumbashi connaît des fortes chaleurs presque inhabituelles. Les habitants essayent de s'y prendre en changeant naturellement les habitudes vestimentaires et alimentaires, mais les résultats ne sont presque pas satisfaisants, surtout quand ils doivent accomplir le travail professionnel. Willy Mbouyou en a rencontré quelques-uns. Suivez. Il y a des fois la nuit, bon, on est obligé de rester en cinglé. Pourquoi pas rester torse nu si c'est chez soi, hein? On est là avec madame, bon, en chambre, torse nu, en cinglé, juste pour faire face à cette chaleur. Mais on espère qu'il va pleuvoir par deux ou trois fois et le climat va se rétablir. La journée là, on est contraint, hein? Là on est contraint, on est obligé, surtout qu'on doit sortir. Aller à gauche comme à droite chercher son pain quotidien. Là, on est obligé de s'habiller normalement. Et bien, on supporte la chaleur. Là, on est obligé de supporter.